Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Primitive pour l'émission Primitive Rock Session, votre émission consacrée au rock au général et au progressif en particulier. Les deux dernières semaines étaient consacrées au majestueux groupe Tool, dont je ne pouvais poursuivre cette saison sans vous parler de l'autre projet dans lequel Maynard James Keenan, le chanteur de Tool, s'est investi, c'est-à-dire A Perfect Circle, dont voici tout de suite un extrait musical, et ce sera Sleeping Beauty, un extrait du premier album intitulé Mère de nom. I believe I can cure it all.
Le nom A Perfect Circle du groupe peut paraître un poil présomptueux, mais quand on voit les noms des gens qui composent ce projet, il y a une espèce de dream team et ça fait plaisir. Et oui, car en plus de Maynard, on peut y retrouver le batteur Josh Freese qui a bossé avec Nine Inch Nails, The Offsprings et Guns N' Roses, rien que ça. Le bassiste Jordi White qui a également collaboré avec Nine Inch Nails. Donc Nine Inch Nails fondé par Trent Reznor, le groupe de métal industriel. Enfin, quand je dis groupe, je devrais plutôt dire projet solo. C'est le projet le plus populaire dans son domaine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Trent Reznor, eh ben, sachez que c'est lui qui a composé la BO du film The Social Network, par exemple. Revenons-en à A Perfect Circle, appelé aussi APC. Au niveau des guitares, on peut citer Wes Borland de Limp Bizkit ou James Iha des Smashing Pumpkins. Le tout emmené par Billy Overdale, qui lui a bossé avec David Bowie ou encore Nine Inch Nails, et oui, encore. Premier album à voir le jour, Mère de nom, en 2000, je n'ai pas traduit le titre en français, hein, il s'agit de son vrai nom. Album brillant dans lequel on retrouve le titre Judith, titre le plus diffusé dans divers médias. On le retrouve dans Guitar Hero 5 par exemple, et ainsi que dans d'autres jeux vidéo. Such an inspiration.
C'était Judith de A Perfect Circle et vous êtes bien sur Radio Primitive. L'ambiance de cet album est assez rock, voire metal par certains aspects, notamment la sonorité des guitares. Elle se veut aussi atmosphérique, voire planante, et j'en veux pour preuve de Rain Holder, tout à fait magique. Est-ce que je vous disais, très touchant ce Rain Holder, on retrouve quelques éléments de tout apporté par Maynard, hein, et si on voulait vulgariser A Perfect Circle, on pourrait dire que c'est du tout un peu plus abordable et en moins très très recherché. Second album à voir le jour en 2003, 13 Step, qui pour moi est le meilleur et le plus abouti des trois albums connus jusqu'à présent. Les intros sont hyper accrocheuses comme sur The Package.
On se laisse littéralement transporter dans cet univers pour cet album. Cet album rassemble le génie, le talent et l'expression émotive des compositeurs de ce disque. C'est un album inclassable, il n'est ni trop violent, ni trop calme, et il nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. La voix de Ménard est d'un généralissime sublime, et les autres instruments ne sont pas là par hasard et ont parfaitement leur place et leur mot à dire. Autre morceau avec une intro qui nous oblige à écouter le reste de la piste, Blue. C'est bon, non ? Je vous propose de poursuivre avec The Outsider, que certains ont pu entendre dans Guitar Hero, encore une fois, ou dans le film Resident Evil Afterlife. The way I'm wired, so could you please help me?
Vous êtes bien sur Radio Primitive, vous venez d'écouter The Outsider de A Perfect Circle, un groupe qui offre ce qu'il y a de plus profond dans la musique, comme savent le faire Porcupine Tree, Steven Wilson, Sigur Rós ou encore Riverside. Riverside avec qui nous avions commencé la saison et qui sort un nouvel album probablement pour septembre. Et c'est d'ailleurs grâce au guitariste de Riverside que j'ai découvert A Perfect Circle, car ils portaient un t-shirt à leur effigie et ce qui avait aiguisé ma curiosité. D'ailleurs, à travers Riverside, on retrouve les influences de A Perfect Circle, c'est indéniable. Autre titre à suivre, The Pet. Keep your head down, don't just sleep to the rhythm.
Allez, je sais que vous en voulez encore, on poursuit avec Weak and Powerless. Il est vraiment difficile de parler de cet album et d'en donner tous les détails. Manifestement, une écoute ne suffit pas. Peut-être qu'à la 13e écoute, d'où le nom 13th Step, un déclic nous permettrait peut-être de comprendre tout l'univers de cet album et de cette ambiance. Avant de passer au dernier album, découvrons ensemble Gravity. And we're unable to
C'était Gravity sur Radio Primitive. Allez, parlons du dernier album connu à ce jour de A Perfect Circle, Emotive, sur lequel je serai bref car il s'agit en fait de reprises. Cet album fera énormément parler de lui et notamment pour la reprise de Imagine de John Lennon. Je vous la diffuse et on en parle après. People sharing
Donc cette reprise de Imagine de John Lennon fera parler d'elle car elle est trop dénaturée par rapport à la version originale, peut-être trop populaire et portée par un personnage trop emblématique pour qu'on puisse se permettre d'y toucher. Donc peut-être qu'il y a un tabou et qu'il y a un interdit à le faire. Bref, débat ou pas, à vous d'en juger. Cette émission touche désormais à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver les émissions sur la chaîne YouTube de Primitive Rock Session. Les liens sont disponibles sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Primitive. On se quitte sur Passive, morceau présent dans la bande originale du film Constantine, film avec Keanu Reeves. À la semaine prochaine, donc, c'était JP. Bye bye. Maybe you're better off this way.